21h minuit. Libre Antenne. J'ai un invité spécial pour ce grand jeu Fanta. C'est simple, avant vous, donc avant le gagnant pour faire la nouvelle pub Fanta, il y avait un mec qui faisait la voix de Fanta. Mais vous oui. Vous êtes au courant? Oui, bien sûr. Il y a un mec, oui. Et ce mec-là, je l'ai invité ce soir. Ils sont là, ils sont où? Eh, hey, allô, il est où lui? Fanta, monsieur Fanta, il est là. Ah, voilà. Ah, oui. Est-ce que tu peux expliquer comment est habillé monsieur Fanta? Il est dans une canette Fanta, il est dans une canette Fanta orange. C'est monsieur Fanta, c'est la base. Oui, il n'est pas venu seul, il est venu accompagné. Monsieur Fanta, comment ça va? Attends, parce que le costume. Attends, je mets le casque. Parce qu'il peut pas le mettre. Voilà, monsieur Fanta, en fait, il est dans une canette de Fanta. Monsieur Fanta, comment ça va? Moi ça va bien. Donc c'est l'ancienne voix de Fanta pour ceux qui connaissent. J'ai un truc bloqué. Attends. Sandra, oui. Tu peux me tirer sur le nez? Vas-y, tire-moi sur le nez. Tire-lui sur le nez. Ça va mieux. Ça y est, on l'a décapsulé, monsieur Fanta, ça a beau cul. T'as un prénom, monsieur Fanta, ou pas? Alors moi, c'est James. Oui. Fanta Orange. D'accord, James Fanta Orange, comme James Bond. Oui. Et ton acolyte, ton pote, c'est qui? C'est John Fanta Citron. John Fanta Citron. Mais en Angleterre, je suis connu comme Lemon. John Lemon. Bonne vanne. On dirait qu'il a répété sa réplique tout le week-end, le mec. Il est bon, le John Lemon. Donc, les amis, ce soir, vous êtes venus pour nous faire quoi dans ce jeu? On va chanter des chansons d'Esplat. Oui. Avec cette superbe voix. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on me remplace. D'accord, je comprends. T'étais sur la fin au niveau de la voix. Ouais. Donc, les amis, monsieur James Fanta et John Fanta Limon vont vous interpréter des sons dance floor, ok? Mais bien sûr, pour pas que vous reconnaissiez facilement, ils vont juste utiliser les mots Fanta sur les paroles. Ça, c'est super dur. Dès que vous avez la réponse, vous attendez juste la fin de la chanson, vous criez votre nom à la fin de la chanson, et si vous avez la bonne réponse, vous vous qualifiez directement pour demain, pour mardi soir. Vous avez compris? Oui, c'est assez simple, c'est assez simple. James Fanta, Orange, c'est parti mon pote. On y va. T'as décapsulé la canette à moitié, il a encore le nez bouché. Vas-y, remets. Ça fait du bien. Ça s'arrose, Attention. John Fanta Limon, il est cuit. Il est jaune, il est cuit. Attention, c'est parti, première chanson, c'est parti. Quand j'ai soif, je m'ouvre un Fanta. J'ai toujours une canette sur moi. Si tu connais pas, vas-y, goûte-moi ça. C'est bon et ça pète. Je suis en pleine ébullition. Attention, James. Ça va mieux. James Fanta Orange va vous interpréter le dernier morceau de la soirée pour se qualifier pour demain soir. C'est parti, James. T'es prêt ou pas? Première ou deuxième? Allez, celle-là, voilà. Allez, attention, c'est la dernière chanson, c'est parti. Quand je veux de l'orange, je prends un Fanta Orange. Ou sinon, il y a du citron. C'est la canette jaune où c'est marqué Fanta Citron. C'est le Fanta Style. Tu vas faire un câlin au Fanta? Fanta Orange et Fanta Citron, merci d'être passé. Qu'est-ce que vous allez faire là? Justement, je vais en cure de maigrissement. Tu ne trouves pas? J'ai un peu maigri. Bah oui. Le problème, c'est que ça me fait des peaux d'orange. Oh non. Allez, virez-moi les deux canettes. Laissez-les partir, s'il vous plaît, virez les canettes. Laissez-les partir. Vous pouvez partir. C'est dommage. Si vous pouviez prendre Sandra, c'est avec vous. Le petit câlin de Fanta Orange et de Sandra. Fais attention à son nez, il a le nez bouché. Ouais, ça coupe attention. Un peu en plus. 01 42 48 5000, toute la soirée pour nous appeler sur Fun Radio. Ça, tu te fais plaisir ou pas, Sandra? C'est génial. Tu t'es déjà tapé une petite canette de Fanta? Non, c'est la première fois. Profite.